بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتضى علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé, alayhi salatu salam. Un nouvel épisode où on arrive maintenant dans la bataille de Badr, dans la partie 4 de la bataille de Badr. Donc le 64e épisode de notre série avec cette quatrième partie de la bataille de Badr. Donc ça fait maintenant un petit moment que nous sommes en train d'évoquer cette bataille parce qu'elle est longue, parce qu'elle est historique, parce qu'il y a plusieurs enseignements et moralités à tirer de cette bataille-là. Une quatrième partie qui est normalement, bi'idhnillah, notre avant-dernière partie sur cette bataille, avant de clôturer la bataille de Badr la semaine prochaine, incha'Allah, et ensuite continuer dans ce fil conducteur qu'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre davantage sur sa vie, sur son quotidien, et tirer le plus d'enseignements et de moralité possible. Car encore une fois, et c'est maintenant une tradition et une habitude de le dire et de le répéter au fur et à mesure de ces cours, que nous permet de faire et de mettre en place la page Facebook Mohammed, qui est tout simplement de voir la vie du prophète alayhi salatu salam, mais surtout d'apprendre de lui. Car Nabi alayhi salatu salam nous dit dans un hadith qu'il a été envoyé pour être un enseignant. Et il est en réalité un enseignant. Il a été l'enseignant des compagnons, il a été leur mentor, il a été leur professeur, mais il est aussi en quelque sorte notre professeur, il est aussi en quelque sorte notre enseignant. Et donc, comme tout enseignant qui transmet un savoir, il est de notre devoir en tant que ses élèves, mais par substitution, ses élèves par adoption et ceux qui le suivent, mais un peu après sa mort, et bien tout simplement de tirer des enseignements et des moralités. C'est cela que de marcher sur les pas du prophète, alayhi salatu salam. On ne peut pas se déclarer en tant que croyante et croyant et dire « nous suivons le messager de Dieu ». Et nous sommes attachés à la sunna de notre messager, mais on ne tire pas des enseignements et on ne tire pas des moralités au quotidien. Vivre au quotidien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc vivre en prenant étape après étape, enseignement après enseignement, moralité après moralité, événement après événement, et se dire comment je peux le traduire dans mon quotidien, comment je peux vivre avec Nabi alayhi salatu salam dans mon quotidien. Et c'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure de ces épisodes, et y compris dans un cadre qui est peut-être, de le dire de cette manière-là, un peu bizarre, qui est une guerre, mais malgré cela, il y a des enseignements et des moralités, pas à transposer et à extrapoler dans un cadre d'un conflit, non, mais il y a aussi des enseignements, parce qu'on voit à travers Badr, et on a eu l'occasion de le voir dans les parties précédentes, la relation entre le messager de Dieu et Allah Azza wa Jal, le véritable tawakkul en Allah, la véritable confiance en Dieu, de prendre tout simplement des mesures, de faire as-sabab et ensuite s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Ça a été également dans la planification, dans l'organisation, etc., etc. Et on va essayer de voir de cette manière-là, ainsi de suite. Alors lorsqu'on s'est laissé, on était à quelques minutes du début des hostilités, à quelques minutes du commencement de cette bataille qui est décisif dans la vie du prophète alayhi salatu salam, mais aussi dans la vie des croyants. Car souvenez-vous, et je vais reprendre à cette étape-là, à ce niveau-là, lorsque le prophète fait cette invocation, il a fait cette invocation-là la veille, la nuit, il reformule cette invocation le matin en disant « Oh Allah, si jamais tu vas détruire ce groupe de croyants, 313 compagnons qui sont présents, alors tu ne seras plus adoré sur terre ». Dans le sens, si on l'avait vu, ça ne veut pas dire que c'était la fin de l'islam, car il y a d'autres musulmanes et musulmans qui existaient, qui vivaient, des milliers d'autres, mais ils n'étaient pas sur le champ de bataille. Mais dans le sens que ceux-là, ceux qui font partie de Badr, Ahlu Badr, sont les meilleurs hommes que la terre ait portés, ce sont les meilleurs compagnons parmi les compagnons. Les compagnons sont les meilleurs hommes que la terre ait portés. Et chez eux, les meilleurs sont Ahlu Badr. Et chez eux, les meilleurs sont Al-Khulafa al-Rashidun, Al-Mahdiyoun, Sayyiduna, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Et parmi ces quatre-là,
Le meilleur étant Abu Bakr, suivi de Omar, suivi de Othman et suivi de Ali. Et donc, c'est quelque chose qui est très nécessaire et très important. Et là aussi, nous avons vu des moralités à tirer. Et je vous invite à ce moment-là à les revoir sur la page Facebook Mohammed ou bien sur YouTube, de manière à se replonger dans ces épisodes-là et tirer le plus d'enseignements et de moralités possibles. On est maintenant à quelques minutes du début des hostilités, du début de cette guerre, et il y a une coutume chez les Arabes, pas forcément de l'islam. Encore une fois, l'islam n'a pas inventé la guerre, elle est arrivée dans un contexte où la guerre existe, et cela fait maintenant depuis 15 ans que le prophète ne cesse d'appeler à la paix, et que Quraysh ne cesse d'être véhément à l'encontre des musulmans et de rêver de ce conflit-là. Et donc, on a deux armées qui se font face. Une armée qui veut en découdre et qui est très contente d'être là, Quraysh, et d'ailleurs qui est sortie avec toute sa fanfare, qui est sortie avec femmes et enfants, qui est sortie avec les tambours, avec les musiciens, qui est sortie avec toute son armée presque. Elle veut vraiment en découdre. Et de l'autre, vous avez 313 compagnons qui ne sont pas armés comme une guerre, qui comptaient simplement récupérer ce qui leur revenait de droit, leurs biens qui ont été spoilés par Quraysh, et avec cette volonté de les revendre. Et donc on voit très bien que c'est pas le prophète alayhi salam qui a engagé ce combat-là. Mais voilà, on est à quelques minutes maintenant de cette guerre, et dans cette guerre-là, les Arabes avaient une tradition à laquelle le prophète ne va pas déroger, pas parce que il aime la guerre, pas parce qu'il est un partisan des combats et qu'il veut faire le show de la même manière que Quraysh, mais tout simplement c'est la convention, c'est de cette manière-là. Les Arabes font ce qu'on appelle la mubarazah, et la mubarazah, c'est le fait que, je pense que si vous avez regardé la série Omar, si vous avez regardé le film Ar-Risala, ou bien si vous avez de manière générale regardé des films historiques de cette époque-là, on voit c'était tout simplement le fait que vous avez trois personnes des deux armées qui vont s'avancer et qui vont s'affronter les uns les autres de manière ensuite. Alors ces combats-là, ces duels, ces trois duels-là, ils peuvent être à la fois pour un peu montrer qui va être victorieux, dans le sens, voilà, on envoie nos meilleurs hommes, nos meilleurs soldats sur le front, et d'un côté, ça peut donner un esprit vengeur à ceux qui ont perdu, et de l'autre, un élan de confiance pour l'armée qui a gagné la Mubarazah, les différents duels. Alors dans ce duel-là, c'est là encore Quraysh qui va s'avancer les premiers. Donc on voit encore une fois que le prophète alayhi salam n'a pas voulu cette guerre-là. Jusqu'au dernier moment, il les a appelés à cette paix-là. Mais maintenant, ils ont décidé de cette manière-là. Et on a Utba ibn Rabi'a dans le camp Quraishite. Vous avez Utba ibn Rabi'a, Al-Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba. Vous avez ces trois individus. Pour remettre un peu dans le contexte, parce que le but un peu c'est d'essayer de se familiariser avec ces noms-là et avec les compagnons de manière générale, ces trois-là sont liés à des compagnons ou à une compagnonne et un compagnon plus précisément, parce que Utba ibn Rabi'a, c'est le père de la fameuse Hind, cette femme qui est devenue compagnonne, et alhamdulillah, et qui est l'épouse de Abu Sufyan. Al-Shayba ibn Utba, c'est donc son oncle, et Al-Walid ibn Utba, c'est son frère. Et de l'autre côté, lorsque ces trois-là vont s'avancer, vous avez trois Ansari, trois compagnons de Médine, qui veulent en découdre à ce moment-là, mais pas en découdre dans le sens qu'ils ont voulu cette guerre-là, mais qui veulent en finir avec ces hommes Quraishites qui ont quitté Mecca, qui ont fait ces centaines de kilomètres pour arriver et avec cette volonté-là, tout simplement, de détruire l'islam, de détruire ces hommes qui n'ont cessé d'appeler à l'unité, qui ne veulent qu'une chose, c'est adorer Allah Azza wa Jal, et qui sont des défenseurs de la liberté. Eh bien, trois Ansari vont s'avancer, et là, Utba ibn Rabi'a va leur parler d'une mauvaise manière, en les méprisant, et on voit, vous voyez, c'est tout simplement, c'était ça, Quraysh, en réalité. Et Quraysh va tout simplement, à ce moment-là, les mépriser, et leur dire de s'en aller en demandant au prophète, alayhi salatu salam, en s'adressant directement à lui, nous voulons nos pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire nos semblables, nous voulons des Quraishites pour s'affronter. Alors, c'est vrai que les compagnons de Mecca
On les appelle al-muhajiroun. Vous voyez, on ne dit pas les Quraishites. Pourtant, et c'est très important de le signaler, Naam, en effet, ils sont Quraishites. Mais lorsque l'on parle de Quraish, Nabi alayhi et les compagnons muhajiroun sont tous des Quraishites. Mais de manière générale, lorsqu'on parle, et c'est de commun accord chez The Scholar of Islam, chez les érudits de l'islam et dans les livres et dans les bouquins et dans l'ensemble des choses que l'on voit, lorsqu'on parle de Quraysh, on parle ici de ceux, des habitants de Mecca qui n'ont pas embrassé l'islam et qui se sont soulevés contre l'islam et contre les croyantes et contre les croyants et qui les ont expulsés de leur demeure, etc., etc. Alors que les compagnons qui sont Mécois de nationalité, qui sont Mécois de par leur tribus, de par leur sang, qui ont embrassé l'islam, l'islam ne les appelle pas les Quraishites, mais nous les appelons Al-Muhajiroun, car nous avons gommé le tribalisme et nous avons gommé cette appartenance-là, et ce qui en ressort et ce qui reste, c'est tout simplement l'appartenance à leur foi, à la ilaha illallah, ils sont des compagnons, ils sont des Muhajiroun, ils sont, ou alors ils sont Al-Ansar. Et donc, ici, eux, Utba ibn Rabi'a, parce que lui, c'est pas l'islam qui compte, et c'est pas la religion qui est importante pour lui, mais c'est le sang, et c'est l'honneur, et c'est le clan, et c'est la tribu, c'est un païen, et donc c'est ça pour lui qui est en train de compter. Et donc, les païens, ils aimaient cela, ils aimaient répéter, je suis Quraishite, je suis ceci, je suis cela, je fais partie de tel clan, je fais partie de tel clan. Et donc, c'est pour ça que Utba ibn Rabi'a, sur ce champ de bataille, il dit, bah, moi, je suis quelqu'un, je suis un Quraishite, donc je veux qu'un Quraishite en face de moi. Yani, pour le dire d'une autre manière, en tant que Quraishite, je ne mérite pas de combattre contre un Ansari, contre un Haous ou bien un Khazraj, mais je veux quelqu'un qui est semblable à moi. On voit cette idée, vous voyez, païenne. Alors que de l'autre côté, ces trois Ansari, ces trois Médinois qui s'avancent, ils ne pensent pas avec le prisme de la tribu, mais avec le prisme et avec le regard, avec un œil de la ilaha illallah et de la religion. Pour eux, peu importe la tribu que tu as en face, c'est pas là la question. Je ne te combats pas pour ta tribu. Je me défends parce que tu es un ennemi, tout simplement, de la liberté et du droit des individus et de la liberté de culte, etc., etc. Et donc, le prophète accepte la demande quand même de Utba pour montrer aussi toutefois que ils n'ont pas peur. Et donc, il va dire. Il va interpeller en se retournant vers ses compagnons, il va interpeller Ubaïda ibn al-Harith en disant: Ô Ubaïda ibn al-Harith, lève-toi, et toi aussi Hamza, ainsi que toi Ali, et avancez. Et donc là, le prophète, il va donner, si on veut, la crème de la crème, et il met des proches à lui, et des hommes qui sont honorables, et des hommes qui étaient reconnus pour leur talent, pour leur rang, et ce n'est pas des noms quelconques, vous voyez, c'était des noms qui comptaient dans la société de Quraysh avant l'islam. Ali vient du clan des Banu Hashim. Hamza, c'est le lion de Quraysh. Et Ubayd ibn al-Harith était un homme également très respecté dans la société mécoise. Et quand ils vont s'avancer, en effet, Utba ibn Rabi'a ne trouve rien à dire et il va tout simplement accepter cela et ils vont à ce moment-là combattre. Alors, quand ils combattent, quand ils font cette Mubarazah, vous allez avoir Ali qui va affronter Al-Shayba, pardon, Ali qui va affronter Al-Walid, vous allez avoir, Allahumma salli alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, Hamza, il va affronter Shayba, parce qu'ils ont à peu près le même âge, et Ubaïda ibn al-Harith va affronter Utba ibn Rabi'a, là aussi pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont le même âge. On voit donc. C'est un peu, pardon de le dire de cette manière-là, parce que là on parle quand même de la guerre et c'est pas joli, mais c'est un peu comme quand dans un combat de boxe, on combat avec le même poids. Et donc là, Mubarazah voulait qu'on combat entre guillemets avec des profils égaux, égal ou égaux, pardon, je sais pas, dans ces combats-là, de manière à ce que ce soit pas disproportionné. Ali va réussir à combattre contre Shayba de manière contre Al-Walid de manière très exceptionnelle. Hamza combat Shayba là aussi de manière exceptionnelle, très rapidement, les deux réussissent à mettre à terre leur ennemi. Par contre,
Ubayd ibn al-Harith, radiallahu anhu, ce compagnon, va avoir plus de mal avec Utba ibn Rabi'a. Et Utba ibn Rabi'a va lui asséner un coup qui va pas être sur le moment fatal, mais qui reste un coup dans le sens fatal, parce que Ubayd ibn al-Harith va décéder des suites de cette blessure-là. Mais alhamdulillah, Hamza et Ali ibn Abi Talib vont venger Ubaïda et s'en prendre à Utba. Et là aussi, il va à ce moment-là décéder. Quand on dit ça, ça peut surprendre, c'est-à-dire, c'est un peu, c'est pas, on le raconte pas dans le sens féerique et glorieux. N'importe quelle guerre, qu'il s'agisse de la bataille de Waterloo, qu'il s'agisse de la guerre des Cent Ans, qu'il s'agisse des conflits entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qu'il s'agisse des films que vous pouvez voir et qui sont historiques des guerres et des combats dans l'Empire Ottoman, les Abbassides, les Omeyyades, les Vikings, peu importe, la guerre n'est pas belle. La guerre, c'est pas beau à voir, sauf quand on regarde un film et quand on refait la scène. Là, alors là, oui, on peut mettre de la musique, on peut mettre des effets spéciaux, on peut mettre du 3D, on peut mettre des jeux de lumière, etc. Et là, oui, ça peut être beau. Mais la guerre n'est pas belle, elle n'est pas belle à voir. Mais quand on le restitue, nous, de cette manière-là, ce n'est donc pas pour créer un féerisme et pour créer des paillettes par rapport à ces conflits-là. Non, c'est tout simplement pour rappeler et restituer des éléments. Restituer que c'est ces trois-là, Quraïchites, qui se sont avancés en premier. Ce n'est pas le camp des compagnons qui s'est avancé en premier. C'est également pour rappeler, ils ont eu cette idée-là païenne et tribale. Ce n'est pas les compagnons. De l'autre côté, les compagnons pensaient avec un prisme de la religion. Et en face, les païens, les Quraïchites, eux, avaient cette idée-là, le tribalisme, le tribalisme, le tribalisme. Et donc, nous, on doit en tirer des enseignements et des moralités. Quel enseignement je dois tirer? C'est ça la question que je dois me poser. J'ai déjà eu l'occasion de dire, il n'y a pas une liste d'enseignements qui est exhaustive. C'est-à-dire, lorsqu'on se retrouve, grâce à cette cause, à ce sabab qu'a été la page Facebook Mohammed, de créer ces cours-là de chaque lundi quand on le peut, c'est pas le but simplement de raconter l'histoire pour raconter, mais c'est de tirer des enseignements. Et quand on les donne, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. On peut refaire le cours encore et encore dans 10 minutes, dans une demi-heure, dans 2 heures, ou peu importe, il y aura probablement des nouveaux enseignements à tirer. Et donc, c'est pas à moi de venir et de vous dire voilà la liste des enseignements que vous devez prendre absolument. C'est chacun d'entre nous de faire cette réflexion sur Khawatir, de faire cette méditation, de se poser et de se demander quel enseignement je peux vivre. Moi, à titre personnel, je peux en tirer quelques-uns et les partager avec vous, mais c'est quand chacune et chacun d'entre nous, de manière très sérieuse, va se plonger de manière à aimer davantage notre bien-aimé, se plonger dans la vie du prophète, s'asseoir avec un papier, avec une feuille, avec un cahier, et vraiment apprendre la vie du prophète comme quand on va à l'école, comme quand on est inscrit dans un cours d'université. Je m'installe, j'apprends, et puis je réfléchis, et je me pose, et je demande à Allah Ta'ala de m'aider, et je demande à Allah Azza wa Jal dans mes prières et dans mes du'as de me donner un savoir. Regardez par exemple, lorsque l'on boit de l'eau de Zamzam, qu'est-ce que l'on demande à Allah Ta'ala dans la du'a? On dit « Allahumma zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a ». On demande à Allah Ta'ala de nous accorder un savoir qui est utile. Et on a beaucoup, beaucoup d'invocations qui vont dans ce sens-là, dans le sens de « al-ilm nafi'a », un savoir qui nous est utile. Et donc, ça doit aussi faire partie de nos invocations, de ne pas demander que quelque chose que j'ai besoin dans mon quotidien comme ça, mais aussi de demander à Allah Ta'ala de m'apprendre à travers la vie du prophète, alayhi salatu salam, à tirer les enseignements et les moralités nécessaires. Parce que si je les tire, alors je vais vivre au quotidien avec la vie du prophète, alayhi salatu salam. Je ne reproduis pas juste un acte, pardon du terme, et je veux blesser personne, mais je ne reproduis pas un acte de manière futile et bête, mais je le reproduis parce que j'ai compris son sens et parce que j'aime l'individu qui a fait ça, j'aime cet homme, j'ai compris le sacrifice, l'engagement, le dévouement de cet homme. J'ai compris que cet homme, il est khayru khalqillah, pas uniquement par décret divin, mais il est khayru khalqillah parce qu'en effet, il est le meilleur d'entre nous. Et je le vois dans son quotidien, cet homme qui passe une nuit entière à prier parce qu'il s'inquiète pour ses compagnons. Cet homme qui s'est sacrifié, cet homme qui a été méticuleux, cet homme qui ne s'est pas contenté simplement de dire « Ya Allah, donne-moi »,
mais qui a tout entrepris, qui a fait toutes les causes, qui a fait ceci, qui a fait cela. Cet homme qui a appelé à la paix, cet homme qui jusqu'au dernier moment n'a pas voulu de ce combat-là, cet homme qui a été dans cette Mubarazah, là aussi un des enseignements, il n'a pas envoyé des compagnons Quraishites quelconques, il a envoyé sa famille, il a envoyé ses proches, il a envoyé Ali, il a envoyé Hamza. Et donc il était prêt à payer le prix le plus fort pour mettre fin à cette barbarie, à cette dictature, à ces hostilités, à ces ignominies qui étaient en train d'être commises par Quraish, et mettre un stop avant que ça n'ait lieu du génocide que Quraish voulait tout simplement entreprendre et faire contre le prophète alayhi salatu salam. Voilà pour l'hostilité al-Mubarazah. Et puis à ce moment-là, ça y est, le combat va commencer. Et quand le combat va commencer, au moment où ils sont en train de s'élancer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce aux compagnons qu'ils auront le paradis qu'il leur est promis. Et ici, encore une fois, il y a quelque chose d'important. Il faut toujours recontextualiser. L'islam n'a pas dit que tout combattant mérite le paradis. Ici, dans ce hadith-là, le prophète s'adresse à des hommes en particulier, c'est-à-dire les compagnons, dans un jour qui est particulier, c'est-à-dire la bataille de Badr. Dans cette bataille-là précise, il leur dit cette parole-là. Voilà pourquoi on n'entend pas dans la sirah, on n'a pas que Ahlul Khandar, ceux qui ont fait la bataille de Khandar, il y a un hadith spécial sur eux, ou ceux qui ont fait la bataille de Mathalan Uhud, alors ils sont promis à ceci. On sait que les compagnons, de manière générale, sont tous promis au paradis. Mais il y a un rang particulier pour Ahlul Badr. Et donc voilà pourquoi là, le prophète leur dit ça. Donc encore une fois, on n'extrapole pas en se disant « Ah, le prophète a appelé les gens à la guerre en leur promettant le paradis s'ils allaient partir à la guerre. Voilà pourquoi il y a ce... » Non, non. Là, le prophète parle à ces hommes-là, encore une fois, parce qu'il y a peut-être, probablement, et ce n'est pas probablement, c'est sûr, car c'est la parole du prophète, la mort de ses 313 compagnons aurait signifié la fin de la ilaha illallah, aurait signifié la fin de l'islam. Et 15 ans après le début de cette religion-là, après l'arrivée de Nabi alayhi salatu wasalam, c'était impensable, inimaginable. Et on comprend la peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne pense pas à lui. Là encore, regardez, quand on lit la sirah, on ne peut que tomber amoureux de cet individu, de cet homme, de cet exemple. Il ne pense pas à lui. Lui, il est promis au paradis. Lui, il voit le monde de l'raïb, il voit le monde de l'invisible. Lui, il peut, ce qu'il veut, il l'a. Mais il pense à ce moment-là, il pense tout simplement à la communauté qui va venir après. Et on aura l'occasion de le dire. On aura l'occasion d'y revenir. Il a tellement pensé à cette communauté, wallahi, il a pensé à vous et à moi, il a pensé tout simplement à nous. Quand il va dans le cimetière de Baqir al-Gharqat et qu'il est en train de pleurer et de dire « mes frères me manquent » et qu'il est en train vraiment en larmes et que les sahabas lui demandent « Ya Rasulallah, alasna ashabuka ?» On n'est pas tes frères ? Et il leur dit « Non, vous êtes mes compagnons, mes frères, ce sont ceux qui vont venir après et qui ne m'auront pas vu. » Nous, bien sûr, par respect, on ne va jamais dire que Nabi est notre frère, même si lui, il nous a appelés de cette manière-là. Et même s'il nous aurait appelés ses compagnons, par respect pour lui, quand on voit la vie des compagnons, on est loin de eux. Il est notre messager, il est notre bien-aimé, il est notre maître, il est notre témoin, il est l'envoyé de Dieu, il est le sceau de la prophétie, il est, et on peut continuer. Il y a à peu près 200 surnoms que l'on peut donner à Nabi alayhi salatu salam. Mais est-ce que nous sommes à la hauteur de ces sacrifices et de ceci et de cela? Il pense à nous. Voilà pourquoi à ce moment-là, il dit à ces gens-là qui sont avec lui, aux compagnons lors de Badr, allez-y, foncez et vous aurez le paradis qui vous est promis. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas pour le monde de Dunya. Oubliez-le. Quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, foncez. Mais cette parole-là, encore une fois, elle n'est pas à extrapoler dans un autre contexte, dans une autre guerre ou dans un conflit, aujourd'hui, demain ou bien hier. Non, on parle là d'un conflit en particulier, la bataille de Badr, d'une parole en particulier, celle du prophète alayhi salatu salam. Et ce qui nous prouve cela, qu'on parle bien ici de Badr, c'est que juste après Badr, qu'est-ce qui va se passer? Jibril alayhi salam va parler avec le prophète et il va demander à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que dites-vous au sujet de vos semblables, yani les humains, les hommes parmi vous qui ont fait Badr?
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith dans lequel le prophète va dire à Jibril, nous disons de eux qu'ils sont les meilleurs. Et Jibril, en effet, on peut dire, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal. Jibril, alayhi salatu salam, alayhi salam, il va dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le coup, il va lui dire, nous disons la même chose des anges qui ont fait Badr. Souvenez-vous, nous avons vu dans les cours précédents de Badr, dans la partie 2 et 3, si ma mémoire est bonne, que Allah Ta'ala va soutenir Nabi sallallahu alayhi wa sallam par l'envoi de 1000 anges. Il y a ici une question de savoir, je n'ai pas la réponse, est-ce que ces 1000 anges incluant Jibril alayhi salam, est-ce que ces 1000 anges plus Seigneur Jibril alayhi salam, peu importe, un ange aurait suffi, en réalité, Jibril lui-même aurait suffi. On sait que Jibril alayhi salam a déjà détruit un peuple avec une seule aile à lui, sans compter du coup les 599 ailes qui se sont restreints et qui se sont abstenus de quoi que ce soit. Mais c'est simplement dans le sens, ici, Allah Ta'ala n'a pas fait les choses. Il a fait les choses à la hauteur des demandes du prophète, alayhi salatu salam. Le prophète a demandé un soutien, Allah Ta'ala l'a soutenu avec ses 1000 anges. Et Jibril ici dit, nous disons la même chose des anges qui ont fait Badr. C'est-à-dire que chez les anges, il y a l'état-major des anges, les quatre grands anges que sont Jibril alayhi salam, Mikaïl, Israfil et le Malik al-Maut, l'ange de la mort. Et vous avez ensuite le top 10, vous incluez dedans Ridwan, l'ange, le gardien du paradis, Malik, le gardien de l'enfer. Vous avez les anges qui vont questionner dans la tombe, etc., etc. Et puis vous avez Ahlu Badr également. Vous avez les anges qui ont fait Badr. Les anges dans les cieux reconnaissent à ces 1000 anges-là, ou 1001, parce que dans tous les cas, Jibril est hors classement dans tous les cas. Il est, subhanallah, Ruh al-Qudus. Il est le Saint-Esprit. Il est le meilleur des anges, l'archange, etc. Eh bien, ces 1000 anges sont estimés et aimés par les autres anges parce qu'ils sont descendus aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit à quel point ici, Badr est importante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plusieurs parties sur Badr, parce qu'on ne peut pas évoquer Badr comme ça de manière très simple et très facile. On avait besoin de ces 5 parties. Aujourd'hui, la 4e, bi'idnillah, la semaine prochaine, la 5e, en espérant que je respecte le temps et qu'on arrive à rentrer dans ces 5 parties-là. Allah Ta'ala, d'ailleurs, dans le verset 9 de Surat, je me vérifie, Aywa, dans la Surat Al-Anfal, le verset 9, Allah Ta'ala parle pour l'envoi de ces anges-là. Allah Ta'ala dit Mumiddukum. Mumiddukum, c'est dans le sens, c'est pas juste un soutien. Parfois, dans la langue française, par rapport à la langue arabe, il n'y a pas la même similitude. Mathalan, en langue française, nous avons, si je dis dans la langue française, j'adore, le terme adorer, il peut avoir à la fois un sens, revêtir un sens spirituel, une adoration dans le sens de la vénération, et il peut avoir un sens tout simplement d'aimer quelque chose trop. En langue arabe, on a cette distinction-là entre a'ashaku et a'aboudou. Parfois, il y a donc des termes qui ne sont pas équivalents. Et mumiddukum, on va simplement peut-être le traduire par un soutien, mais il y a une subtilité dans le soutien. Mumiddukum, le terme ici, les fuqaha et les mufassiroun, ceux qui sont les spécialistes du Coran, nous disent que mumiddukum, c'est-à-dire que Allah Ta'ala ici, il parle d'un soutien qui va venir un renfort supplémentaire. C'est un soutien, j'avais un terme que je voulais utiliser, subhanallah, pour le cours, et j'ai oublié, une option supplémentaire, un plus, un petit, mais attention quand je dis un petit, ce n'est pas pour minimiser ici l'envoi de ces anges-là, pas du tout, c'est simplement pour essayer de le comprendre, de le caricaturer ainsi, c'est un effort supplémentaire qui a été envoyé. Et c'est très important de le voir de cette manière-là, pourquoi ? Car de cette façon-là, Allah Ta'ala n'a pas minimisé la valeur et l'effort des compagnons. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a reconnu leur effort, a reconnu leur cause, les sababs qu'ils ont entrepris, et simplement Allah Ta'ala a envoyé ce soutien-là. Ce soutien-là, si Allah Ta'ala l'avait envoyé seul, il peut suffire bien évidemment, car il émane de Allah Ta'ala. Mais Allah Ta'ala a voulu les aider de manière supplémentaire,
les renforcer de manière supplémentaire par le moral, par la force physique, par le nombre, mais sans minimiser cet effort qui a été fait. Et les spécialistes de la Sira, à travers ce verset, à travers cet événement, à travers la bataille de Badr, à travers ce renfort de 1000 anges ou 1001 anges, eh bien, ils nous enseignent encore une fois que c'est ça le véritable tawakkul. Elle est là et il réside là la véritable confiance en Allah Azza wa Jal. Je vais faire, je vais entreprendre, je vais tout organiser, je vais tout planifier, je vais être à la hauteur. Et ensuite, Allah Ta'ala va envoyer, fayumidduna, Allah Ta'ala va alors m'envoyer un soutien supplémentaire. Or, malheureusement, nous avons peut-être tendance, et il faut cesser avec cela dans notre communauté, à ne pas faire et dire « Ya Rabbi, donne-moi, Ya Rabbi, accorde-moi ». Ce n'est pas de cette manière-là. Il y a véritablement ici l'effort qui doit être entrepris et qui doit être fait. C'est cela le sens de « Mumid Dukum » que Allah Ta'ala a envoyé aux compagnons. Quand on parle également de cette bataille de Badr avec cet envoi d'anges, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons parlé complètement même de Jibril alayhi salam qui déferle la montagne enturbanée, c'est-à-dire il a voulu, Jibril alayhi salam, jusque dans le détail, alors même que les compagnons ne le voient pas, mais le prophète le voit et c'est ce qui compte, puisque c'est le meilleur d'entre eux, eh bien, Jibril a voulu ressembler aux compagnons et il s'est lui-même enturbané. Et il est venu sur une monture du monde de l'Ghaïb, du monde de l'invisible, qu'aucun d'entre nous, malheureusement, pour le moment, on ne peut pas voir, en espérant que Allah Ta'ala nous accorde le paradis bi'idnillah. Et peut-être qu'on aura l'occasion, à défaut de visiter un zoo dans le paradis, de visiter au moins ces créatures qui est Al-Burar, qui est la monture de Jibril alayhi salam, et tant d'autres montures également, et tant d'autres animaux qui peuvent exister dans les cieux bi'idnillah, puisse Allah Ta'ala nous accorder cela. Et Jibril alayhi salam va donc déferler cette montagne avec ces anges-là. Et quand on évoque ça, eh bien, c'est important aussi de raconter les récits. Il y a plusieurs récits sur les actions de ces anges-là. Faute de temps, j'ai retenu un seul récit. Ce n'est pas forcément le plus beau, ce n'est pas forcément le plus parlant, désolé du coup. Mais peut-être ça peut vous pousser, bi'idnillah, et me pousser aussi à approfondir davantage ces cours-là. Eh bien, ce récit d'un compagnon qui va poursuivre un Quraishite dans la bataille et ce Quraishite va le semer. Et lorsque le compagnon réussit à un tournant d'une plaine à le retrouver, il trouve que ce Quraishite est déjà décédé et il ne comprend pas. Et lorsqu'il va raconter ça ensuite au prophète, eh bien là, le prophète va lui dire « c'est les anges qui se sont occupés de lui, un ange s'est occupé de lui ». On a un autre récit, par exemple, lorsque à la fin de la bataille, les compagnons qui vont récupérer des prisonniers de guerre de manière ensuite à négocier avec Quraysh la paix, et je précise, de négocier avec, il n'y a aucune extrapolation à faire par rapport à un conflit actuel, s'il vous plaît. On parle bien ici de Badr et uniquement de Badr. On restitue un conflit historique qui s'est passé, qui était la bataille de Badr uniquement. Et bien, à ce moment-là, l'un des prisonniers va dire « Non, ce n'est pas cet homme ». En parlant d'un compagnon qui m'a capturé, il va décrire autre chose. Il était avec une monture et ceci. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque ici un ange qui a pris une forme humaine et qui l'a en réalité capturé, cet individu-là. Et je dis bien qui a pris la forme humaine parce que les hommes ne peuvent pas voir les anges, alors encore moins un Quraishite, vous vous doutez, ne va pas pouvoir voir un ange. Ensuite, on a également dans cette bataille-là le combat contre Abu Jahl, qui est très parlant. L'ensemble des notables, l'ensemble des chefs de Quraysh sont décédés à la bataille de Badr, tous. Et ça a été une rahma, tous sauf Suhail ibn Amr, je précise, sauf Suhail ibn Amr et Abu Sufyan, qui était dans la caravane commerciale que nous avions déjà évoquée. Et c'est très important, le décès de ces chefs-là. Pourquoi ? Parce que le renouveau politique qui va venir après, la nouvelle génération qui va prendre la tête de Quraysh, elle sera plus ouverte au message de la ilaha illallah et au dialogue avec le prophète. De la même manière que ça a été le cas avec Médine, souvenez-vous, nous avions dit les Médinois avant l'islam, les Haus et les Khazraj, les deux tribus principales, s'étaient combattus. Et dans ces combats-là, qui a duré des décennies entières, eh bien, tous les chefs sont morts. Et la nouvelle génération qui est montée au pouvoir, leurs enfants,
eux n'avaient que faire de ce conflit-là. Ils ont décidé, pas décédé, ils ont décidé de mettre fin au conflit qu'il y avait entre Médinois, et en effet, ça a pu ensuite, cette cité qui s'est calmée, qui a connu la paix, eh bien, elle a pu tout simplement accueillir ensuite le prophète et le message de la ilaha illallah. Et donc ici, ça a été exactement pareil dans la bataille de Badr. Un des chefs, qui est pas l'un des moindres, puisque c'est vraiment le pire, c'est Abu Jahl. Abu Jahl, c'est son surnom. Wallahi, moi-même, j'ai oublié son nom. Je crois il s'appelle Hakim ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Mais c'est le surnom que les musulmans lui ont donné. La tête de l'hypocrisie, la tête de l'idolâtrie, la tête de la méchanceté, la tête de la monstruosité, la tête de ce que vous voulez, c'est Abu Jahl. Abu Jahl, c'est l'ignorance. Mais on peut inclure dedans la tête du mal, la tête de tout ce qu'il y a de plus mauvais, le mot dans votre esprit le plus horrible et le plus poussé dans l'exagération du mal, eh bien c'est la définition même de cet homme qui était Abu Jahl. Un homme ignoble, un homme le pire monstre que peut-être l'un des pires monstres que la terre ait connu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, il est le pharaon de ma umma. Il est le pharaon de ma umma. Il est le pharaon de ma umma. Et dans une autre version, il est le pharaon de cette umma. Il est le pharaon de cette umma. Il est le pharaon de cette umma. C'est vous dire à quel point cet homme était ignoble. Eh bien, il est mort dans la bataille de Badr et il n'y a pas à rougir qu'à dire Alhamdulillah. Je ne crois pas que sa descendance aujourd'hui existe. Et de manière à tenter un procès contre nous si on dit que, alhamdoulillah, dans cette bataille-là, ce monstre et cet ignoble individu, il est décédé. Lorsqu'il va décéder, il y a dans la bataille, pour vous raconter l'un de ces récits, Abdurrahman ibn Auf, qui est un grand compagnon. Abdurrahman ibn Auf, c'est quand même, si vous connaissez un peu la vie de quelques compagnons, on avait vu, et avec nos chers administrateurs, bi-idhnillah, peut-être l'objet d'une autre série, incha'Allah ta'ala, sur les compagnons un jour. Abdurrahman ibn Auf, c'est parmi les géants chez les compagnons. Parfois, on parle que de Abu Bakr, Ali, Hamza, Ja'far, mais il y en a d'autres, et Abdurrahman ibn Auf en fait partie, ce géant chez les compagnons. Il est dans la bataille, à un moment donné, il voit tout un groupe Quraishite, il veut aller à l'affrontement avec eux, et il se dit, j'ai besoin de renfort, je ne peux pas y aller comme ça seul. Et donc, il regarde à droite, à gauche, est-ce qu'il va trouver des compagnons à la hauteur pour partir avec lui? À la hauteur, attention, selon Abdurrahman ibn Auf, pour nous, ils sont bien sûr tous à la hauteur. Et il voit à droite un jeune adolescent médinois, il voit à gauche un jeune adolescent médinois, et il se dit, mince, comment, Yanis, pour lui, ils vont pas vraiment pouvoir l'aider, deux adolescents à peu près, peut-être qu'il y avait la vingtaine. Et il se dit, ça va pas m'aider. Et au même moment où lui, il se dit ça, eh bien, vous avez celui à droite qui va lui donner un peu. Un petit coup, j'ai noté les noms pour vous les donner. Mu'ad ibn Amr al-Jamuh et Mu'awid ibn Affara, pardon pour la prononciation. Chacun d'eux va demander et questionner à Abdurrahman ibn Auf, est-ce que tu connais Abu Jahl? Et quand il leur demande pourquoi, ils disent parce que il a tellement fait du mal et il a tellement été horrible avec les croyantes et les croyants que je veux être celui qui va mettre fin à son règne méchant et à sa méchanceté et à ceci et à cela. Et Abdurrahman ibn Auf, à ce moment-là, il comprend que malgré leur jeune âge, ces deux Médinois, ils en veulent et ils en ont dans les tripes et qu'il est du coup bien entouré avec ces deux-là. Et quand il va voir Abu Jahl, il va pas du coup lui y aller. Mais il va leur dire, voilà l'homme que vous recherchez. Et à peine le temps, il a fini, c'est Abdurrahman qui nous raconte cela, à peine le temps a-t-il, à peine le temps utile, je crois on dit, de finir cette phrase-là, que les deux, ils vont sauter au milieu des gardes du corps qu'il y a autour de Abu Jahl, parce que bien sûr, c'est une tête, mais c'est un grand peureux, bien évidemment. C'est un grand inquiet, et donc il n'a pas que deux ou trois personnes autour de lui, mais il a beaucoup de personnes qui est là pour le protéger. Mais ces deux compagnons-là vont sauter dans la foule, ils vont se frayer un chemin jusqu'à Abu Jahl, et ensuite ils vont asséner un coup à Abu Jahl, et chacun d'eux va considérer qu'il a tué Abu Jahl.
Ils sont très fiers. Ils partent voir Nabi alayhi salatu salam pour lui dire, Ya Rasulallah, j'ai tué Abu Jahl, et l'autre, j'ai tué Abu Jahl, et ainsi de suite, j'ai tué. Et Nabi alayhi salam est amusé par ça, dans le sens, attention, amusé, dans le sens que, encore une fois, on ne raconte pas cette histoire-là pour trouver à Badr un côté romantique et passionnant, et c'est magnifique, et presque on met une petite musique et on s'endort. Non, c'est pas ça. C'est restituer un événement historique pour parler ici d'un courage, pour parler ici d'une organisation, pour parler de la relation à Allah, pour parler de la prière de Tahajjud qui a eu lieu la veille, et c'est l'épisode précédent, pour parler de la fraternité dans l'islam, etc., etc. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va leur dire à chacun d'eux, vous avez probablement et certainement asséné le coup fatal. Mais à la fin de la guerre, le prophète veut en être sûr. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Abu Jahl, c'est ce pharaon-là de la communauté. C'est la tête pensante. Si vous voulez, c'est le cerveau des attentats commis par Quraysh. On a affaire à ça. Abu Jahl, c'est le cerveau pensant, c'est la tête pensante de toutes les ignominies, de toutes les choses les plus graves que Quraysh a commises. C'est lui qui a voulu assassiner le prophète. C'est lui qui a décidé de faire la guerre. C'est lui qui demande... L'ensemble, c'est le mal en personne. C'est le mal en personne, si on peut le dire d'une autre manière. Subhanallah, c'est un peu comme si Shaitan avait un équivalent chez les hommes. Eh bien, cet équivalent s'appellerait Abu Jahl. Eh bien, le prophète veut du coup en être sûr. Est-ce que Abu Jahl est mort? Et il ne demande pas à n'importe qui. Il demande à un compagnon qui est l'exemple même, et la preuve plutôt. Ce compagnon, c'est Ibn Mas'ud. Il est la preuve que Abu Jahl, c'est le mal en personne. Parce que Ibn Mas'ud, c'est un compagnon qui était un ancien esclave. Il n'a fait de mal à personne. Il n'a jamais blessé quelqu'un. Il a toujours parlé, subhanallah, je ne le dis pas en disant qu'il avait raison de le faire, ni qu'il avait tort, c'était la société qui était ainsi, c'était un esclave, et donc il connaissait sa place et son rang. Il n'a fait de mal à personne, il ne s'adresse pas aux gens, il baisse la tête, subhanallah. Mais Abu Jahl a choisi Ibn Mas'ud comme l'un de ses pires ennemis. Pourquoi? Parce que pour Abu Jahl, de quel droit cet esclave qui est Ibn Mas'ud a-t-il osé défier les dieux, astaghfirullah, de Quraysh et devenir musulman? Et c'est vous dire à quel point Abu Jahl est horrible. Yani, si tu penses que tu es un notable et un chef et que tu es dans ton droit et dans ton idéologie païenne, tu t'en fous qu'un esclave se convertit à l'islam. Au contraire, tu pourras du coup dire c'est une religion faite d'esclaves. Mais non, c'est j'ai perdu, c'est comme ça qu'il le voit, j'ai perdu un esclave, j'ai perdu un membre, j'ai perdu une personne sur qui je n'ai pas le contrôle, alors je vais être son ennemi et l'ennemi de ses frères en religion. Enfin, Ibn Mas'ud, à la fin de la guerre, il va faire les corps un par un pour repérer le corps de Abu Jahl. Et là, il voit Abu Jahl qui est agonisant, c'est-à-dire qu'en réalité, les deux compagnons n'ont pas réussi à tuer Abu Jahl. Et là, Ibn Mas'ud, wallahi, c'est... comment le dire d'une manière un peu polie, mais en même temps, je n'ai pas envie d'être poli à l'égard de Abu Jahl. Un peu bien fait pour Abu Jahl. Ibn Mas'ud va mettre son pied sur le torse de Abu Jahl et le regarder et lui dire « Ya Adou Allah, ô ennemi de la ilaha illallah ». Et là encore, ce n'est pas dans le sens... Ibn Mas'ud n'a pas fait ça à tous les autres non-croyants. Encore une fois, remettez tout dans le contexte. Il n'a pas fait ça aux autres. Il fait ça à lui, à cet individu-là, pour ce qu'il représente, pour le mal qu'il est, pour les instigations qu'il a faites. Il va lui dire cette parole-là en lui disant « Ô ennemi, alors qu'est-ce que tu en penses de la situation maintenant ?» Et Abu Jahl, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Oh, dans tous les cas, j'ai été tué par... un des miens », c'est-à-dire il n'accepte pas ici sa défaite, mais il veut aussi savoir, Abu Jahl, c'est ça qui le ronge et qui le mord d'envie de savoir qui a gagné la bataille. Et il demande à Ibn Mas'ud, au petit berger, dis-moi c'est qui a gagné la bataille. Et bien sûr, là, il meurt par le coup de Ibn Mas'ud, un coup fatal, mais avant, il y a eu un coup psychologique pour
Abu Jahl, ça a été de lui dire, c'est pas Quraysh qui a gagné malgré votre supériorité numérique, mais c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui ont gagné. Et puis là, Ibn Mas'ud informe le prophète à ce moment-là, et là, le prophète dit cette fameuse parole par laquelle j'ai commencé, mais il l'a dit juste après cet événement-là. Il dit, il est le pharaon de cette umma, il est le pharaon de cette umma, il est le pharaon de cette umma. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala a mis fin à son ignominie, et Allah Ta'ala a mis fin à ses massacres, et Allah Ta'ala a mis fin comme il a mis fin à Pharaon. Et tout simplement, alhamdulillah, parce que si Abu Jahl serait resté, subhanallah, on ne sait pas ce qui aurait pu advenir et ce qui aurait pu se passer. Il faut savoir aussi que dans les combats, Quraysh a perdu 15% de son armée. C'est pas rien, 15% de l'armée qui a, parmi l'ensemble des gens qui ont combattu, contre 5% de pertes du côté des croyants. Et ce ratio-là, il montre quelque chose, c'est que la supériorité ici de Quraysh n'a pas eu raison des croyantes et des croyants. Pourquoi? Encore une fois, par ce soutien, ce plus que Allah Ta'ala a envoyé à son messager, à savoir les anges. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la bataille, va décider de ne pas partir, de ne pas s'en aller directement, mais il décide et il dit aux compagnons, nous allons rester campés 3 jours. Ce campement de 3 jours, il montre encore une fois le tawakkul, le tawakkul à Allah, la véritable confiance en Allah, car c'est de manière préventive, pour faire attention qu'il n'y a pas de contre-attaque, qu'il n'y a pas de contre-offensive. Il faut sécuriser la frontière, il faut sécuriser cet endroit. Il ne s'en remet pas à Allah Ta'ala en tournant le dos et en disant « Alhamdulillah, ça y est, nous avons gagné et nous pouvons partir ». Non, il prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas qu'il y ait ensuite un génocide qui soit commis. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Si on le met dans un contexte actuel, c'est lorsque vous allez avoir les forces de l'ONU qui vont tout simplement intervenir et qui vont pas dire à la fin d'un conflit, bon, ben, allez, bon courage, et puis on ne reviendra pas en espérant qu'on ne revienne pas parce qu'il n'y aura plus la guerre. Non, en général, il y a ce qu'on appelle les forces de maintien de la paix. C'est-à-dire qu'à la fin du conflit, l'ONU, on connaît ça au Liban, eh bien, elle va rester sur place de manière à protéger les populations et à éviter que les conflits vont renaître, que les deux conflits, que les deux parties, trois parties, quatre parties, en fonction des conflits qui sont belligérants dans ce conflit-là, ne vont pas de nouveau réembraser la zone, la région, le front, etc. Et bien là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se maintient sur place en tant que maintien de paix, en tant que comme une force, voilà, de maintien de la paix pour prévenir de toute contre-attaque et de toute contre-offensive de la part de Quraysh. Et à la fin des 3 jours, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lever le campement. Durant ces 3 jours-là, il y a le moment où le prophète va enterrer, bien sûr, les corps de ses compagnons qui sont décédés. C'est la première fois qu'il y a des compagnons qui meurent sur un champ de bataille parce que le prophète n'a pas voulu la guerre pendant 15 ans, mais elle y est pendue au nez à ce moment-là. Et donc, il faut bien gérer maintenant la guerre et il faut gérer les décès dans cette guerre-là. Et les décès dans cette guerre-là, c'est donc à ce moment-là, lors de Badr, que Allah Ta'ala va révéler l'ensemble du fiqh, quasiment l'ensemble du fiqh relative à la mort et relative à la mort pendant la guerre. Les deux seront quasiment révélés durant la période de Badr. Et le prophète, parce que c'est un homme et c'est le meilleur des hommes et c'est le meilleur de l'humanité, eh bien, bien évidemment, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans les conventions de la guerre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas inhumain, bien au contraire, il a prouvé qu'il est rahmatan lil alamin, il a prouvé même dans ces moments-là qu'il est une miséricorde pour l'humanité parce qu'il a enterré, il a demandé à ce qu'on enterre dans le respect les corps des Quraïchites, il les a pas jetés comme ça dans une fosse commune, il les a pas maltraités, mais ça a été avec respect que ces corps-là ont été enterrés. Et à la fin des 3 jours, par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir, et je vais finir sur ce récit-là, le prophète va venir devant les tombes des chefs de Quraysh qui sont alignés, et on les a tous mis à côté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les interpeller en leur disant, en les interpellant chacun par leur nom, « Ya Umayya ibn Khalaf,
il y a Abu Jahl, il y a Utba ibn Rabi'a, et ainsi de suite. Un par un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à eux, il les interpelle, et en leur disant, est-ce que la promesse que est-ce que vous avez trouvé la promesse de Allah véridique, c'est-à-dire le châtiment de la tombe tout simplement, c'est-à-dire je ne sais pas si, je crois que ça s'est déconnecté, pardon, c'est pour ça que je me suis arrêté d'un coup. Normalement, ça y est, c'est revenu. C'est-à-dire, est-ce que vous avez trouvé le châtiment de la tombe véridique? Est-ce que vous avez trouvé tout simplement cette promesse que Allah Ta'ala vous a faite de réel? Et ensuite, le prophète se tait, subhanallah, comme s'il veut leur laisser le temps de répondre. Et ensuite, il va dire, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, il est beau et ses classes, même dans ce moment-là. Et ensuite, il leur dit, car moi, j'ai trouvé la promesse de Allah véridique. Mes élèves plus jeunes diraient, c'est un joli clash que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Peut-être pour le dire de manière un peu plus jolie, c'est de la réelle classe que le prophète ici, alayhi salatu salam, va faire. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab pose une question qui nous sert aujourd'hui. Et on voit encore une fois « The wisdom of Omar ibn al-Khattab », l'intelligence et la perspicacité de cet homme qui est Omar al-Farouq. Il va demander une question qui moi, par exemple, m'interpelle toujours lorsque je visite les tombes de mes proches, qui m'interpelle. Omar ibn al-Khattab va dire quoi? Il dit « Ya Rasulallah, je t'ai vu que tu leur as parlé. Est-ce que les morts nous entendent ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, ils m'entendent aussi bien que vous m'entendez. Mais il y a une divergence, je précise, il y a une divergence ici. Est-ce que, et je n'ai pas la réponse à ça, Allahu azza wa alam, wallahi, je n'ai pas la réponse, mais il y a une divergence à cela, je ne peux pas trancher comme ça. Est-ce que tous les morts, de manière générale, nous entendent? Ou bien, est-ce que lorsque le prophète questionne les notables de Quraysh à ce moment-là, est-ce que uniquement dans ce moment-là précis, Allah Ta'ala, comme c'est le cas de Ibn Abbas qui pense cela, Allah Ta'ala a remis leur âme uniquement pour qu'ils entendent cette question du prophète et que ce soit encore un fardeau supplémentaire pour eux? Wallahi, Allahu A'lam. Moi, à titre personnel, mais je pense que n'importe qui a connu un proche qui décède, on aime l'idée de se dire que peut-être quand on arrive et qu'on dit assalamu alaikum, peut-être la personne nous entend. Parfois, dans le deuil, on a besoin de ça. Allahu a'lam, est-ce que c'est réel ou pas? Allahu a'lam. Mais ce qui est sûr, c'est que un mort, en tout cas par consensus, il y a au moins un qui entend nos salams, et c'est notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est sur cela que nous pouvons terminer. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala habibana wa sayyidana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahtabi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin illa yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Encore une fois, un grand merci à la page Facebook Mohammed qui est la cause de ces lives et les directs avec eux chaque lundi soir. Et depuis peu sur TikTok et en replay depuis maintenant le début sur YouTube, sur la chaîne Oustad Marwan. Barakallahu fikoum. J'ai même pas vérifié les messages, mais je pense, si je regarde, aywa wa alaykoum salam wa rahmatullah, j'allais dire que forcément les administrateurs, notre cher administrateur, tu as dit pardon, assalamu alaykoum, j'avais pas vu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous donne rendez-vous du coup toutes et tous la semaine prochaine, inshallah, à la même heure. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.